Bonjour, madame la presse qui présente. United Seychelles, si vous connaissez tout commitment pour venir participer dans nos conférences de la presse aujourd'hui. Tout le monde qui peut suivre nous, dans n'importe quel endroit, quand vous êtes été, nous disons être grand bonjour. Aujourd'hui, nos 7e conférence de la presse, et par l'habitude, dans nos panels, nous avons avec nous le leader de nos partis, United Seychelles, Dr. Patrick Emini. Non, non, M. Jacques-Claude Dugas, de son côté droite, qui est notre député leader. Et bien sûr, de son côté gauche, c'est notre secrétaire général United Seychelles, M. Dick Esfaron. Moi, pour tout de suite, invite parti leader, Dr. Patrick Emini, pour prendre la parole. Bonjour tout le monde à l'écoute, dans la cour, à l'étranger, tout le monde présent, comme journaliste. Aujourd'hui, avant que nous commençons avec une bonne question, nous allons faire un statement préliminaire le programme IMF. Bon, suivant la décision du gouvernement LDS pour l'aide de l'IMF pour introduire dans Cécile un programme austéritaire qui en a pour but résoudre nos problèmes économiques, United Seychelles il a fait sa bonne observation préliminaire suivante. United Seychelles a noté qui même IMF, en travers son chef mission pour Cécile, Mme Boriana Yoncheva, y a accepté que jusqu'en mars 2020, l'épidémie COVID-19 qui frappe Cécile, l'économie Cécile, en bas direction United Seychelles, qui peut performer plus bien qu'ils en et qui systématiquement, Cécile, qui peut faire 6 plus et qui peut repayer son dette. Sa déclaration, il démontrait avec nous très clair, qui statement fait par M. Rom Calawan, président du pays, qui pays tient calice cassé et qu'un COVID y a un qui est faux et malicieux. United Seychelles y pensait qu'il n'a pas assez de consultation avec un acteur économique et politique de développement de sa programme, paraît-il le cas en 2008. Le gouvernement, par son habitude, il a agi de façon autocratique et gauléba et puis force sa pile la mer dans la gorge du peuple sécillois. United Seychelles aussi croit que le gouvernement n'a pas soi, mais à côté de l'IMF, à cause de son démarche pour un support financier avec les pays amis, Paris, l'Inde, UAE et Qatar, pour support budget, il fait misérablement. Même si le président de l'État Qatar a assigné qu'il bientôt vient d'un talazan qui vient d'entrer dans le pays. United Seychelles a noté que cette proposition de sa programme est très dangereuse et capable d'amener une crise financière plus grave dans le pays de 3 ans. Si toute proposition du gouvernement pour convertir Treasury Bills dans Treasury Bonds, sa mesure nous pensait pas pour réduire la dette domestique, mais plutôt pour postponer le paiement de telle dette. Paris anglais dit « We are kicking the can down the road ». United Seychelles, pour le moment, puis réserve son position de sa programme pour sa bonne raison suivante, à cause n'a pas assez de détails de sa programme. Par exemple, en résultat de réduction de pourcentage de salaire par rapport au GDP, combien travailler pour gagner dehors? Qui plan redundancy sa gouvernement? Au soit, est-ce qu'il salaire travailler pour gagner réduit? Et si oui, par combien? Le gouvernement demande travailler pour ses sangs. Est-ce que le gouvernement lit pour continuer avec sa bonne pose capital qui peut coûter le pays à peu près 700 millions de roupies? Qui exactement est une réforme qui l'IS peut faire dans la santé et l'éducation? Est-ce que ça a des services pour une payante? Est-ce que l'allégation qui est Seychelles International peut faire est vrai? Est-ce qu'il est aussi vrai qu'il prie pour l'allocation de la case gouvernement puis le monter? Est-ce qu'il aspire ici pour qu'il privatise ou soit est-ce qu'il prie bis pour qu'il monte? Le gouvernement qui dit non, qui gouvernement pour une plimèque, est-ce que ça aussi veut dire que la quantité de ministres qui en a dans le gouvernement aujourd'hui, 13, pour réduire, et si oui, par combien? Est-ce qu'il y a une poste politique qui a créé pour un dallon politique? Pareil, sa poste liaison officielle la digue pour qu'il abolit afin qu'il paye, il y a gagné un peu de savings. Tout ça là, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour United Seychelles. Et United Seychelles n'est pas paré pour acheter aucun cabri dans le sac.
Dans nos prochaines press conférences en août, nous pourrons exclusivement s'assister à l'IMF. Et pour aujourd'hui, nous ne pouvons prendre aucune question de l'IMF. À cause, il n'est pas clair pour nous, mais espérons qu'en août, nous avons accès avec le rapport à l'IMF, par nous demander, et qu'il y ait des mesures qui pourraient mettre en place, il y a aussi une claire avec le peuple social. Entre temps, nous l'avons dit avec le gouvernement LDS, qui aucun programme qui peut affecter les travailleurs ces lois et qui fait bande qui risque vient plus riche et bande qui pauvre vient plus pauvre pas pour grand support United Seychelles. Merci. Président, on va pas prendre les autres questions ou bon thème que nous avons adresser l'unité et Seychelles lui-même sa soi-disant bombe qui tu vas gagner des grands temps situation d'eau réforme de pension et les autres questions encore. Merci. Merci bien, Party Leader, pour l'intervention. Lausanne-Haute, moi, j'avais invité Benoît Lapresse pour les poser questions ou même l'éclaircissement. Yes, Miss Sheila from People. Merci. Bonjour tout mon panel. Ma demande, première question. Nous entendons par Yundi, sa nouvelle effrayant, Côte du Monde, qui permet de bombe, Côte Station Pétrole, Grand Asmae, à cause que l'US n'a pas encore donné sa action. Encore par une cause de l'US Seychelles, le gouvernement peut continuer à envoyer des décisions vis-à-vis Seychelles. Vous autres commentaires, comment partit l'opposition principale? Merci. Je vais avoir une première question. Lors de la question bombe, à cause nous n'avons pas encore condamné, il vous savez une raison suivante, vous avez besoin d'un petit peu de patience. Nous les faisons des observations. Premièrement, nous pensons que sa déclaration faite par le président, elle est sortie l'autrice, pour dire qu'il y en a un gros différent qui va remettre la moitié grand temps spécialement, et ça a été fait pour raison politique. Nous pensons que ça tient une déclaration irresponsable et pas appropriée, surtout le temps d'investigation Yamas. Deuxièmement, nous aussi croyons que le statement qui a été fait par Honorable Ben William dans l'Assemblée pour dramatiser sa situation, il y a un qui n'est pas approprié et qui a complètement contre standing order. À cause de standing order, fait clair qu'il y a quelque chose qui est devant la Cour, il n'est pas capable de discuter de l'Assemblée nationale. Il sub-judice. Et il dommage que le speaker, dans tout son sagesse, il ne laisse arriver. Ça, il montre nous qu'il y a d'autres qui peuvent faire politique avec ça et non pas nous. United Seychelles, il a fait sa déclaration suivante. United Seychelles, c'est ma direction, il condamne toute forme de violence et acte terrorisme. Et on va noter que depuis la Troisième République, il n'en a pas de parti politique qui met de bombe dans ses cellules. Et ça, c'est SNP, l'aide qui met de bombe avec les pieds des hommes libres, un jour 5 ans. Et l'autre point nous le cause là, c'est coup d'État. LDS peut continuellement faire peur sa PEP qui nous veut faire coup d'État. Nous les catégoriquement dit qu'il pour n'a pas encore coup d'État dans ce ciel. À cause pour n'a pas encore coup d'État dans ce ciel, à cause aujourd'hui avec réalité géopolitique mondiale, ou pas capable faire un coup d'État. De bonnes années 60, 70, 80, OK. À cause des monde qui polarisé entre Sopac avec NATO. Et le coup d'État 77, tu gagnes reconnaître par la France, l'Angleterre immédiatement. Aujourd'hui, on fait un coup d'État, on pourrait sanctionner, on pourrait suspendre toute l'organisation internationale, et on en a droit envoyer soldats pour craser sa coup d'État. Sauf que par qui c'est loi, il est LDS continuant à mettre qui nous peut prendre coup d'État dans ce ciel. À présent, on a un petit coup d'État, soi-disant bombe, qui est une supposée gagne mettre en l'air là-bas, grand temps. Est-ce qu'il tient bombe ou soit est-ce qu'il pétrole va mettre du feu par le président dit. La police dit non, qu'il tient un matériau explosif. Et nous, le temps nous entendons un matériau explosif, nous imaginons qu'ils ont découvert TNT, ils ont découvert Syntex, Barator, l'ammonium. Mais qui nous voit, ça qu'ils ont découvert, qui nous apprend, c'est des matériaux qui sont complètement légaux dans ce sel. OK? Et qui pas bon matériaux explosifs. Nous devons nous dire des soi-disant terroristes qui ont dit que United Seychelles qui dans vos autres. Ils ont donné l'impression qu'il est 28
Ça va me dire mon type entrer sorti maison du peuple. Maison du peuple, il y a CCTV camera. Et si je le vingé, il y a une vidéo pour vingé de CCTV camera pour que si vous ça de mon type monter et interview nos sécurité pour que côté de type aller. Il y a une invention par LDS. Au moins, nous pouvons dire qu'il y a de ça de Dimon, il vrai, il y a nos activistes, il y a membre nos partis. Mais deuxième, il n'y a pas un activiste, il n'y a pas ni membre de parti. Deuxième, du monde qui est involvé là-dedans, il forme un bodyguard, il sait, Revel Rum Calawan. Il faut être à l'origine de ça. À cause de pas de cause là, du tout. Et si vous prenez n'importe qui regard, ou vous voyez une Rum Calawan au stage, ou ça dans la masse, ça, il sait, il a au bord. Terrorisme, c'était l'accusation sérieuse. OK, et il pas quelque chose qui vous prend à la lisière. Nous connaissons différentes formes de terrorisme, terrorisme associé avec d'autres, narcoterrorisme, homegrown, que des brigades bombées MOS, international, Al-Qaïda, mais aussi il y a ce qu'on appelle state sponsored terrorism. Quand l'État lui-même, le gouvernement lui-même, il paye bon du monde pour faire une action terrorisme. Par exemple, sa action qui n'a révélé aux trois garçons, Belloni, Larianga, ça tient acte terrorisme supporté par l'État. Hier, mon jeune, sa trois mamans, ils ont traumatisé, et j'ai un accordement qui m'a dit, ben, soi-disant, azan, ils mettent physio pour eux de la tête, coque pour tous les autres, faire eux boire de l'eau la pluie, battre eux, marquer eux de ventre partout. Et nous, aujourd'hui, nous avons été chercheurs, nous avons dit avec eux autres, qui s'allécident, il lié directement avec State House. Et bon du monde qui involve là-dedans, c'est bon travailleur State House. Et l'auto qui involve là-dedans, je t'habitue cause le 11-22, il y en a 28-88, 24-88-47-62, 16-99-D, tous les trois là, l'auto, il y en a quelque chose en commun. Je t'enregistre le President's Office. Alors, j'ai besoin accepter, le président de sortir, condamner et prendre action contre sa bande du monde. Il va venir dire, nous, State House pour investiguer. State House pour investiguer, la police qui investigue. Sa troisième, il fait une complainte de court garde jusqu'en hier 5 heures. Sa trois bourgs, parce qu'on a interrogé les autres. À cause de ça, il a décidé pour ne pas venir faire ce qu'un statement. Et je veux faire ça que j'ai envie. Vous avez respecté le garde là-bas. Arrête les autres si nécessaire et prend un statement avec les autres. Mais ça, il n'y a pas de cas. Un autre aspect terrorisme qui est supporté par l'État, c'est l'État, je paye du monde pour mettre bon, moi ça pour faire des ordres, mais du fait, pour être capable d'attaquer les opposants. Ok, ça qui est dans la politique, on appelle une false flag operation. Et comme ça qu'il Amérique s'attaque Vietnam. False flag. Et ça aussi, il ne faudrait pas que nous roulions out à sa stase. L'autre raison que nous avons en state sponsored terrorism, les autres tirent l'attention sur la situation du pays. Il y en a au Rayo, il y en a problème manzé, COVID, IMF. À présent, les autres les dit monde, concentrer leur autre chose, les autres font mettre un bombe pour tout le monde qui cause un bon problème. Ok? Un red herring. Et voilà la raison à cause, nous, pour le moment, nous ne pouvons pas condamner, non, rien qui n'a arrivé, à cause n'est pas clair pour nous, et qu'il qui part derrière sa action dans les grands maïs. Nous espérons investigation finie, la cour donne son jugement, après nous vous prenons une décision. Mais ce moment va dire quelque chose qui, hier, 21 jours plus tard, pour que je dis une chose au sein du monde avec. Matériel explosif, je ne peux pas faire ça de Dimon. Et je tiens à faire ça de Dimon pour un mois. Et qui raison que je tiens à donner? C'est qu'il y a un bon expert sorti de l'Amérique qui peut venir tester sa bonne explosive. Explosive, tu es dans bis. Ok? So, si y a un résidu explosif, il y a un bis. Et nous connaissons qui arrive. Des semaines passées, je tiens à rendre bis, on a sa bis. Et pendant deux semaines, sa bis permet de travailler partout. So, qui est un expert américain qui peut venir faire ici?
qui bon investigation je peux bien faire ici quand l'évidence principale est absent. Vous voyez, et tout ça là bon battre la tête. C'est ça qui nous appelle de partir un lot théâtre par un gouvernement théâtre. Il même a fait avec ça 2.7 millions et Seychelles, right? Que le ministre des Actions de l'Assemblée et dit qu'il nous vole 2.7 millions dans l'espace des ans. Et nous nous donnons nos réactions avec SBC son lendemain à cause d'une crise. Nous comment est parti un gouvernement, mais SBC pas passé, je dis peut-être pas nous ouati. Ça SBC est dépendant, nous pas qu'à faire, nous pas qu'à faire de rien. Mais tout ça là, il va nous manier pour tirer l'attention des peuples sur ces lois, le l'effet qu'ils ont pas pu performer. Je dis qu'il y a IMF qui peut dire ou connaît, il y a une négociation pas qu'à cause de 2.7 millions. Au contraire, c'est là pour récupérer ça depuis 5 millions. À cause nous pouvons prendre 1,8 billion d'aide avec l'IMF. Mais si nous découvrons nous depuis 5 millions, tu vois un problème. Ça, c'est 50 millions de dollars américains. Nous grandissons bientôt, le président Michel peut venir pour dire côté était. Ça aussi, si nous voyons, il y a une idée. Ça fait nous croire que tout ça là, c'est propagande par LDS avec lui pour battre la tête de sa pipe. Et tisez de l'attention, le vrai problème de ce ciel. Merci. Merci beaucoup, Parti Leader. Nous allons prendre. Ah, monsieur le député Leader. Bonjour, tout le monde. Bonjour, tous les journalistes. Bonjour, tout le monde qui est à l'écoute. Bon, je crois que la situation est Seychelles. Encore, moi, je vais rappeler. Une action par un gouvernement qui veut simplement kick the can down the road. À cause de moi, je dis ça. Donc, on rappelle Bonnet, à l'année, le vice ministère finance, Steven Devant, il dit que ces choses dans l'état actuel n'est pas soutenable. Il donne certains chiffres pour démontrer ça. Président, dans l'état de la nation, l'état de l'Assemblée, Bonnet, à l'année, il demande l'Assemblée pour un débat, le SHS. Et l'Assemblée, il joue un débat, le SHS. Les officiers viennent, SHL, son CFO, son CEO, les officiers du département tourisme, finance, ils viennent. Et l'Assemblée, tous les partis, partis de l'opposition, nous-mêmes, et partis gouvernement, ils font recommandation. Nous entendons après que le cabinet a besoin d'une session extraordinaire pour prendre une décision de SHL. Tout le monde respecte une décision après le meeting cabinet. Mais qui nous tendait, c'est qu'il nous a dit qu'il a présent un comité établi par le gouvernement pour décider de l'avenir de ces choses. Nous nous aussi tendait, semaine passée, les ministres financiers de l'Assemblée pour cause du programme IMF, un nouveau programme, qui est ces choses, bien sûr, a discuté dans le processus de ce programme. Et nous entendons le secrétaire principal de la finance, il dit, M. Payet, qui a une bonne condition à l'IMF, c'est qu'il n'a pas aucune subvention sortie du gouvernement par les Seychelles. Pour nous, on fait toute cette analyse, on écoute, il est clair pour n'importe quel monde qui est raisonnable, qui ce gouvernement n'a pas envie de sauver les Seychelles. Et puis, toute l'esquisse, toute sorte de qualité de comité, toute bonne qualité d'analyse, mais ça qui est clair, c'est simplement que la décision finit quand il prend. Le gouvernement peut-être n'a pas de stomac par nous dire pour annoncer sa décision. Et nous, bien sûr, nous condamnons ça la pause que le gouvernement veut prendre. Le gouvernement vient sortir, prend une position de l'OS Seychelles. Si vous avez envie de faire aimer, vous avez Dieu pour faire aimer. Si vous avez envie de garder Seychelles, vous avez Dieu pour garder et qui m'a dit pour soutenir Seychelles. Mais nous, de côté parti US, notre position est claire. Nous avons SHS comme un insurance policy pour nos pays et pour notre district touriste. Et c'est ça, pour sa raison que SHS a gagné setup, l'a gagné setup. Pour faire si qu'il est tout bon aligné aérien sorti dans nos pays pour prévenir économique, pour pouvoir aller économique pour fly Cécile, tout sorti, par être arrivé dans l'année 80. Et SHS est là pour assister sa liaison aérienne entre nos pays et le monde. Dans n'importe l'assurance qu'il a acheté, il y en a un premium pour besoin payer. Mais pas payer n'importe qui premium, payer un premium qui est abordable, qui est soutenable. C'est ça que le gouvernement il devrait regarder, à mon avis.
Et là, on a une décision à Seychelles, il prend une décision économique. Li. Pour nous, à Seychelles, c'est une décision politique que le gouvernement prend. Si le gouvernement croit qu'à Seychelles, il y a une insurance policy, par exemple, on dit il met en route l'argent, il paye sa premium, et un premium qui paye qu'il n'a pas à Ford. Nous pensons, fermer Seychelles, il y a une décision, s'il y arrive, qui peut cause beaucoup l'ennui pour les travailleurs à Seychelles, les gens qui sont bien trainés, qui vous auront un pilote, un ingénieur, qui vous aura dit, n'a pas possibilité de gagner un job à cause de ces pilotes, ingénieurs, ils s'attirent, parce que l'airline peut faire redondant, un pilote, un ingénieur. Et deuxièmement, nous sentons qu'il peut aussi une décision grave pour nos pays à l'avenir. Sur nos positions, c'est qu'il faut faire une route et solution pour les Seychelles. Et le gouvernement est sorti, prend une décision et annonce sa décision et pas kick the can down the road chaque fois qu'il joue. On va bien sortir, prend une décision. C'est ça notre position en ce qui est concerné. Merci. Merci bien, député leader. Ma part Tressa, from SBC. Ça trois l'auto avec votre numéro, il y a un chambolo camera, un individu, et je dis donne nous portrait. Nous faisons investigation pour qui ça trois l'auto. Et tous les trois l'auto, ils ont enregistré le president's office. Ça nous cab dire avec vous catégoriquement. Yes. Merci. Tiens, autre question. Ok, allez Davidson. Bonjour tout le monde. Tous les soirs, nous entendons que ENB, Pierre-Yves Timon et Vic-Dog, est-ce qu'ils sont satisfaits avec la lutte de sa gouvernement contre Dog? Chairman Fonds Pension peut proposer des réformes pour pension. Est-ce qu'il est d'accord avec sa même proposition? Président Kozo Linité, dans son discours d'indépendance, qui réaction US Lola? Merci. Ok, ma pour la première question, je laisse J par deuxième, le fond. Fonds pension. Bon, bientôt, pour un an, Pierre Sonnet va nous dire ça. Et il est clair que le gouvernement LDS, il fait pour les cap deal avec sa problème d'eau. Peut-être d'ailleurs, marijuana et des banques de ce nous sommes, nous ne pas admettre que ENB, il improve. Je dis une l'organisation qui t'a d'ailleurs, Mike, au state. Et puis mettre plus en phase de l'intelligence. Et conséquemment, je suis capable de compromis, ce qu'on appelle ban gros poisson. Mais problème par là. Vous voyez? Et sa situation dans l'INB. Nous, l'information, c'est que le gouvernement n'est pas trop happy. À cause nous comprenons que je peux fermer l'INB pour remplacer l'INB par sa team qui bat sa trois mamans, qui ben appelle Team Ibo. Okay? Et nous, le gouvernement vient de prendre là, est-ce que ça pour les cas ou soit non? Sinon, dis-nous, si oui, dis-nous. Côté problème, il y a problème aujourd'hui, il y a le gouvernement lui-même. Depuis janvier, on a des grâces. Des grâces de 10 mondes de prison. Et tous les 10 mondes, c'est un qui fait gagner grâce la semaine passée, avec un qui gagne grâce de 3 mois passés, tous les 10 mondes, ils ont de prison pour trafic de drogue. Est-ce qu'il y a une coïncidence ça? Qui est-ce connexion ça va dire y en a avec LDS? Qui moyen respecter la guerre contre Dog, le temps roi ça va une qualité action puis répondre. N'a pas une direction. Il même affaire avec Kes Nassim qui je t'amène dehors pour lui pas gagner disait ici. Right? Et je te dis non c'est une grosse opération ENB. Mais là aujourd'hui ENB il dit avec IDC sorry, nous pas responsable pour ça non. Nous ne pouvons pas payer Kenby, la cause de ces affaires, Amen Nassim, ou pas nous.
Et l'office président, il y a coupé tat tat dans faire non pour guetter lesquels vous payez. Tout ça là, il monte ou ça bonne contradiction. OK, contradiction, ça bonne interférence de ça la lit con dog. Et ça gouvernement, moment va dire qu'au octobre 2024, il peut pas résoudre le problème dog de ce ciel. Merci. Il pense pour nous faire une analyse détaillée qui pour son conséquence dans le sens de la pension. On nous prend bien en considération que la pension est un component extrêmement important pour nous causer un diminuer entre le travail, qui planifier son retraite. Mais ce qui est important pour dire, c'est que sa bonne assumption qu'il peut faire, il peut être bien analysé avant que la bonne décision soit prise là. Mais la position de United Seychelles, et ça qui n'existe jusqu'à comme là, c'est qu'il nous croit dans un principe universel de pension. C'est-à-dire, un diminué travail, les arrivent sur la retraite, ils gagnent son pension. Indépendamment qui sont au statut social. Ça qui peut faire allusion, et ça qui nous peut dire, ou bien certaines assumptions que nous peut faire, c'est qu'il y a une discussion qui peut aller de l'année, par exemple, means test. Ça veut dire, ou commence le travail, ou travaille, ou qu'on est aussi posé gagner pension, les rois arrivent ou la pension, vous êtes pour décider si ou moyen permet tout pour gagner sa pension et capter pension pour gagner, si oui ou non. Est-ce que ça est moralement correct? Est-ce que vous pouvez donner l'encouragement du monde pour travailler pour suivre, pour son retraite? Du monde va faire tout ce qu'il devrait faire, son sacrifice, faire si il contribue en plus qu'il élève son statut. Et là, il y a eu l'air pour prendre pension que vous utilisez. Dis non, on travaille trop beaucoup, ou bien ou pas pour gagner pension, ou bien on gagner un petit bout. Est-ce qu'il est correct ça? So, ça, c'est une assumption qui dit monde pour besoin discuter, pour besoin analyser, à cause pas de bout de l'autre principe qui est solide. Deuxième assumption de la possibilité d'augmentation, contribution qui dit monde, il fait fonds pension pour faire fonds pension soutenable. Tout ça là, il veut dire prend bien contexte à cause sa moment situation économique là. Sa qualité inflation qui existait dehors qui paraît hier nous entendre gouverneur dire. Il veut dire que dit monde puis amène que d'autres quoi, moins salaire. Il veut dire aussi qu'il pousse à qui nous dit pouvoir d'achat. Purchasing power dit monde, il réduit drastiquement. Hier gouverneur en cause de toute l'inflation qui haut. Qui veut dire que le standard de la vie du monde peut descendre. Est-ce qu'il y a une augmentation d'un fonds pension que peut dire tire encore de la paix du monde? Et tire aussi, possiblement, pour besoin de tirer aussi avec un bon du monde, un employé. Ça, bon du monde. So, tout ça, c'est une assumption que vous pouvez faire. C'est une assumption qui a besoin d'être bien analysée. Et il y a des choses, tu vois, pour faire. Nous pour discuter de ça, c'est à profond. Les gouvernements y ont sorti avec une proposition concrète. Mais pareil nous dit, nous position de la claire. C'est que nous croyons dans le principe de pension universelle. Tout le monde a besoin de gagner une pension. Si il y a du monde qui travaille, il y a une pension, il a besoin de gagner une pension. Et ça qui fait la peine de ce processus-là, c'est que pareil nous avons dit, ce processus de consultation, dialogue avec bon stakeholders, bon partenaire de sa processus, la pape gagne faire. Décision pe gagne prend et il paraît qu'il peut gagne dicter ou bien poser le peuple. Il n'y a pas façon pour faire li. Et nous, il y a toutes ces choses, nous croyons, pour dire, besoin d'un vitement un processus, dialogue, consultation avec tout bon acteur pour faire si que le peuple se ses lois, lui-même lui dit qu'il m'a dit, il prend son retraite. Merci. Merci, secrétaire général. Troisième question, l'unité. Je crois que les 29 présidents de la République, tu dis que nous, et mon site, n'a pas l'espace pour la haine et division et qui ferait être dans l'unité d'un pays. Il le président, il cause l'eau quelque chose, mais il fait un autre quelque chose. Le temps, nous avons supporté, puis il a poussé dans le travail, le contrat, puis il a renouvelé. Je peux démonter.
qui manière ou quoi apprendre l'unité dans un pays? Bon petit business qui nettoie l'école, ou coupe tout à l'avance, domestos naïve 50 roupies, un balier naïve 25 roupies, pour Baba Hamid, une sortie 35 roupies, une 52 roupies. Est-ce que vous sincèrement croyez que je pourrais prendre l'appel pour l'unité? Il fait pour 4 staff, 4 madames, right? Et tous les 4 madames, tu les tous, d'après lui. Et tu même les empoisonnés. Paranoïa de State House. Right? Mais qui m'a dit qu'il a respecté l'unité sur le côté de la monde? Et les enfants de la monde, sa 4e madame, il y en a 4 petits. Qui m'a dit pour ce bon petit? Et qui m'a dit respecter les bons enfants? Croire dans l'appel pour l'unité. Ou servir l'institution de l'État pour se former United Nations. Toute qualité que tu as, malice, je te fais, non. Je ne peux pas réussir, mais je peux essayer. Mais quelle qualité l'unité ou peut cause là? Ministre Hassan, il vient de l'Assemblée, il cause le programme IMF, il dit qu'il faut être nous unis. Fantastique, il faut être correct, ministre. Mais qui arrive après? Après qu'il ait fini faire son discours, pendant 2 heures de temps, bon, MNLDS, ils disent assiser et maltraiter United Nations. Qui qualité l'unité ou quoi apprendre? Plus gros faute qu'ils fait le 29 juin, c'est qu'ils refusaient reconnaître qu'ils ont qu'ils la guerre pour l'indépendance de Sicile, pour qu'ils nous viennent pays indépendant le 29 juin 1976, c'est M. France Albert René. Il est content, pas content, c'est M. France Albert René. Avec son parti SPUP. Il me demande comme qu'il nomme qui compte l'indépendance. Il faudrait que nos bons enfants y apprennent ça. Et tu acceptes l'indépendance, conférence Marlboro House. Avant ça, tu compte. Là, il me dit, Romkalawan, il y a le Coast Guard pour lancer bateau PS Zoroaster. Et bateau qui d'ailleurs, c'est le président Ford qui a négocié pour nous gagner le 25 juin 2018. Il va y avoir l'habitude d'une discours. Le temps, il passe l'armée professionnelle devant lui, qui est de fait mercenaire en 81, qui lui-même, il peut dire faire, mais ça l'armée. Le temps, ce lendemain, il monte l'autrice pour cause de nos bon accomplissement de l'environnement. Ça y a des malades, l'eau à d'abord, l'eau 30% de nos territoires. Est-ce que ça, il s'est réalisé que tout ça, là, c'est création et l'initiative. Il me sait France Albert René. Il me sait René, il est architecte, ça c'est le moderne. Content, pas content, dit une volée, une faire ici, une faire là-bas, mais rester architecte, ça c'est le moderne, et place importante dans l'histoire. Et première occasion qu'il nous gagne, nous pour mettre son statut dans Peace Park. Et lui-même, lui, il me sait Romkalawan, il reconnaît ça, il est en privé. Ce n'est pas accepté en public à cause de l'esprit, c'est l'esprit de division. Dans son interview semaine passée avec The Media Line, les autres demandent qui croient que ça a donné 45 ans dans CCL. Écoute qui dit avec sa journaliste. Il dit, OK, tu as un débat dans l'habit, droit humain, l'autre. Il dit, but I would say, all in all, it's been a good 45 years. So lui-même lui admet qu'il a gagné 45 ans, une 45 ans qui ramène bien-être pour les peuples sicilois. So accepter pour souler unir sa peuple, ou besoin accepter ça fait. Nous besoin reconnaître nos bons dirigeants. United Seychelles 2026 pour faire lui. Nous pour reconnaître tout bon former president. Inclus lui à cause par 2025 et pour devenir former president. Inclus lui. Et je bonne statue, nous pour prendre, nous mettre là-bas paradis des enfants. Et nous pour tirer sa bonne statue pharaon, mettre le sade d'Ave Kinchobo, pour envoyer les Zip. Alors nos bonnes enfants, ils besoin apprendre nous l'histoire et non pas l'histoire égyptienne. Désormais, mon papa croit président qui amène l'unité dans ce ciel, à cause d'un entour beaucoup de vengeance, et il pense avec tout beaucoup la haine. Et dans ce monde supporter, il est quelqu'un qui est quelqu'un qui l'insulte et la haine. Vous avez ça sur Facebook, qui m'a décrit du monde, maltraité du monde, et vraiment fait honte. Il dit quelque chose et il tout le temps fait l'autre. Il cause l'autorité, qui vous n'a pas encore de Sicile.
Mais nous noirs qui n'arrivent avant-hier, nous voyons que trois jeunes sont torturés par son propre sécurité. Ok? Mais pas dit ça. De ces affaires, bon, qui m'ont cause plus bonnet là-dedans. Un là-dedans. Un là-dedans qui est torturé et battu avec la police pour jeter ses gains d'informations. Et son lendemain, il y a un cours, figure enflé partout, blé au lit. Et personne n'a pas de problème avec ça. Il y a que ça. Vous comprenez? Il y a que. Après, il vient dire que nous, pour n'a pas de bonnes affaires. Nous avons une histoire avec Véronique Kathleen. Il prend mettre dans le casse dormi 24 heures de temps sans manger, l'ONSIC, à cause de l'opinion sur Facebook. Le président n'a pas l'autorité morale pour cause de l'unité. Nous ne pouvons pas dire par son action et non pas par son bonne jolie parole. Il y en a les autres quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Prenons par exemple Order of Precedence. Là, il est là, comme l'auto, il est même avant ministre. Il sens à l'ordre précédence, tout le monde qui n'est pas content, il fait descendre en bas. Tout le monde, depuis l'auto présent tout. Ok? Accès avec VIP. Tout le monde qui n'est pas content, il tire. Il me dit Nicolas Prier, par exemple, qui est former head of an institution that's a seal. Il dirige l'institution, un branche gouvernement. Mais si ça cause un problème avec l'outil, il aura la liste. C'est sa qualité limitée qui l'a amené dans le pays. Au revoir. Merci. Merci bien. On va prendre Chris, Seychelles Nation. Président Shalom Global Television Network, la CIN, il a annoncé que son gouvernement commence à mettre des restrictions le 26 février qui pour pouvoir vacciner. Qui l'opinion US aura décision? Il y a sa position est claire. Premièrement, nous ne pas penser qu'il y a un mesure la santé publique qui fait sens. En prenant compte la transmission et connaissance qui nous a le COVID aujourd'hui. Mais plus important, c'est que nous ne sommes pas capables d'imposer quelque chose pareil à l'individu. Ou dire qu'il a besoin de servir un vaccin. Et quand même si vous n'avez pas un vaccin, ça veut dire qu'il y a un risque qui prend un vaccin. Nous ne voyons ça. 40% ben du monde qui sont malades, c'est ben du monde qui déjà prend un vaccin. Il y en a beaucoup de monde qui ne prennent pas un vaccin, qui sont OK, je peux manger bien. So, ou pas qu'il y ait du monde qui a besoin de servir un vaccin, ça ne va pas porter dans le supermarché. Le président, il y en a à l'attitude. Il y a l'UAE, il vient avec 50 000 doses de vaccins qui sont la third phase. Trial, the third phase of trial. Mais qui m'a dit qu'il y a fait quelque chose comme ça? Et après, il y a une pause, alors le peuple se sait. Il y en a quelque chose qu'on appelle le Nuremberg Code of Medical Ethics qui besoin d'être respecté dans le pays. Il y a un cas de sa code, là, il y en a une conséquence internationale. Et ça peut continuellement arriver dans ce sens. Merci. Merci. Napan Sheila. Je vous demande trois questions à cause de temps. Dans le temps COVID, le président fait plusieurs visites à l'étranger. Et là, tout dernièrement, en Austria, est-ce que l'US est quoi? C'est nécessaire? Récemment, le speaker il met des membres US dehors de l'Assemblée et après, l'US il boycott l'Assemblée. Qui réflexion United Seychelles l'a assisé? Mon aussi envie qu'on position United Seychelles, l'opposition Bonatti, c'est que le problème tapaz de la Ribaza. Merci. Ok, cher, nous besoin, à cause de nos restrictions, les temps, nous pas. La visite d'Austria, premièrement, nous croyons que sa visite n'est pas nécessaire. Ok? La visite n'est pas nécessaire. Et il dit qu'il a fait pour ça 5 minutes qu'il est là-bas. Pour la cause, 5 minutes, il dit qu'il a fait un discours 5 minutes virtuel. Il est important pour noter, pas juste le président qui a invité ça. Beaucoup heads of state, ben Tizil, qui a invité. Angela Merkel, il a invité. Mais tout ça, ben dit monde, pendant aller à la conférence, à cause, en solidarité avec le peuple, qui peut passer travers une situation difficile, COVID. Aussi bien que problème économique. Et nous connaissons que c'est le monde qui est mort de COVID. Plus que 16 000 citoyens qui ont COVID.
Et le président n'a pas aucun problème avec ça. Pour lui montrer autrice, qui peut le faire? Pour lui faire boire et puis dîter. Lui, il boit dîter quand derrière son enfant n'a pas goûté pour manger. Angela Merkel, mon central l'Europe, et quand c'était l'année, mon avis, et nous connaissons hier, il était là-bas. Dieu mené avec Oshia. Je dis cela comment? Et Oshia, ou même, au fait, tu parti de Germany. Il y en a l'endroit, sorti de Germany, ou venu Oshia, moins que 5 minutes peut-être. Mais Angela Merkel, pas de descendre pour venir sa conférence. Il fait un speech virtuel, quand il a venu, il y a beaucoup plus de risques que nous, à cause. À cause, il n'y a pas quoi approprier pour lui bouser des moments où son peuple passe avec beaucoup de difficultés. Et c'est ça la raison à cause nous condamnons sa visite aux autrices. Il peut amener non, il n'y a pas ce seul. Juste brass band, il y a insulté. Après, nous avons promis pendant le scholarship, l'autre. Mais c'est le président qui l'a dit, qui est le président qui a pris le banc. Il n'a pas qu'un pouvoir exécutif, whatsoever. Moi, je suis speaker, mon général, c'est le président et le président de Germany. Je suis le président qui a pris le banc. Ça, c'est un grand promis qui peut dire pour nous, quand il y a un MEF, l'autre. Piment, ça pour consommation sont supportées. Deuxième question, l'incident de l'Assemblée. L'incident de l'Assemblée, il y a une qui est triste. Pour la simple raison que nous voir un membre, il vient de l'Assemblée, il vient faire toutes sortes d'accusations contre son collègue. On vend d'eau avec maman à l'école. Mais c'est une accusation sérieuse. On peut abuser ou immunité et privilèges qui ont de l'Assemblée nationale. Et standing order, il fait clair que si vous attaquez un collègue, un ministre, un ziz, vous avez besoin d'une émotion. Émotion va discuter, va présenter l'évidence. Et ça, l'individu n'a pas de sens pour lui défendre son corps. Il dit c'est normal. Speaker, il dit pas attendez. Nous tous, dans la société, nous tiens attendez. Il dit il pas attendez. Il est possible. Et en plus, à cause de son affiliation politique, il peut être difficile pour lui faire sa transition, pour sortir comme un partisan, pour lui venir un speaker impartial. Il peut donner beaucoup de difficultés. Ce conseil qui nous a pour lui pas continuer à abuser son pouvoir comme un speaker, pour un abonnement, il met dehors sans aucune raison, c'est qu'il resign comme président LDS. Right? Il y a vraiment plus de crédibilité. Et deuxièmement, je vais donner un conseil, quand même, plus jeune qu'il est. Il besoin li arrête chair ban que tu parles motion émotion revenu honorable William mais ça les deputy speaker chair li chair les présidents vient de l'assemblée li chair les ministres vient de l'assemblée artiste pour nous Idriss ça rien arrivé Larry Baza aujourd'hui artiste n'est plus rien fait for GR CSR artiste incoupé. Chaque fois que ce monsieur il fait un show, l'excuse qu'il donne est qu'il y a la COVID. Seulement, les clubs mettent, ils font un show, carnaval, parce que tous les mois, danser partout sans masque, n'a pas COVID. Ça est OK. Mais les artistes, c'est loin, ils font, il y a un problème, et je ne pas faire. Mais qui m'a dit ça pour qu'ils vivent? Ah, pour qu'ils besoin de vivre, il y a un artiste, lui. Ou les gars, ils ont ça beau y aller, il y a des studios, il fait son. Mais il fait son, il a besoin de vendre. Mais pour lui vendre, il a besoin d'un endroit, quand il y a une accumulation du monde. N'importe qui est artiste pour dire, parce que c'est artiste, n'importe qui business dans ce ciel. Un bon plus gros problème qu'on a, c'est nos populations qui guident. Vous voyez, c'est l'Aribaza, et l'Aribaza, c'est la musique. Il est possible nous avons un compromis qui joue à un certain niveau. On va connaître 80 décibels, 90 décibels. Right? Mais c'est quand il fait ça. Ou pas venir ou fermer. Ou on peut autre performer. Nous croyons que ça aille mal. Il voit M. Melji là, est bon état. Mais M. Melji besoin capable de prendre l'habitude avec un signifiant qui passe dans la ribaza. Là, nous petits enfants, tout le temps dans la guerre. Tapas à Ribaza. Ou tu as un bon acteur de Guinée, vitamine Po, princesse, tout un bon timon. Là, dans la Ribaza, l'eau est base quotidien. Ce qui sont problèmes aujourd'hui, qui n'est pas capable d'écouter
la musique. Que tous les autres du monde, Haïti n'a pas de problème avec ça. Artiste pour santé, là, il bazar. Donald Maurice, là, les artistes, ils retournaient, artistes, ensemble avec United Seychelles, nous parlent santé de la ribaza. Merci. Merci bien, Pate Lida. Nous encore. Non, quelles autres questions from les autres journalistes? Celui-là. Excusez, docteur, Montanou, nous faisons référence au goûter. Moi, j'ai envie de demander aussi problème goûter un réseau dans l'école. Merci. Ok, problème goûter, exactement, pas étudier. Et le ministre, il vient dans l'Assemblée, nous tenons à rappeler, il vient dans l'Assemblée. Et il fait toutes sortes de qualité statement. Il m'a insulté, nous, comme quoi qu'il nous aide. N'a pas parole qui va nous dire non. Il n'est pas capable, cependant, de donner un nom du monde qui peut donner goûter Paris, c'est une claim. Il n'est pas capable de dire non par combien d'argent en plus qu'il mettait dans le fond pour les bons enfants qui ont des difficultés pour goûter. Il n'est pas capable de dire non tout ça. Là. Il nous insulte United Seychelles. Il même invite nous pour aller rôder dans l'école pour guetter quelqu'un qui a goûté après venir avec lui. Vous voyez? Mais nous pensons que si tu sortis de l'officier con, aller dans l'école, et tu vas voir quantité de mamans qui va pouvoir goûter. Et puis les camarades, ils les plaisent. Merci. Bon, merci. C'est bien alors, ça note qui nous arrive à la fin de notre 7e conférence de presse. C'est auditeurs et téléspectateurs. Merci bien pour garder toujours ça un rendez-vous avec United Seychelles. Restez toujours en bonne santé jusqu'à la prochaine fois et bonne continuation avec SBC.